jour de fête des religions. Aujourd'hui, ce n'est pas un livre que je vous présente, mais, chose curieuse, un agenda. L'agenda des jours de fête, l'agenda jour de fête des religions juives, catholiques, musulmanes, orthodoxes, protestantes, anglicanes. Et pour présenter cet agenda original, François Nau. François Nau, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre du diocèse de Poitiers, vice-président de Radio Accord, des Radio Accord Région, et délégué diocésain, c'est pour cela que vous êtes ici dans les studios, le délégué diocésain pour le dialogue avec l'islam. Alors comment vous est venue cette idée ? Je ne me rappelle plus précisément, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est venue il n'y a pas très longtemps, au mois d'avril ou mai dernier, au sein du groupe de discussion, du groupe de rencontre avec les musulmans que nous avons à Poitiers, qui fonctionne depuis une dizaine d'années maintenant. De telle sorte que nous nous connaissons bien, nous échangeons énormément de choses et nous nous sommes demandé ce que nous pourrions bien faire pour faire passer un petit peu au dehors l'esprit des rencontres que nous avions. Quelqu'un parmi nous a eu cette idée, mais pourquoi pas faire un agenda. Nous avons des fêtes, nous les chrétiens, les musulmans ont d'autres fêtes, nous ne savons pas forcément à quoi correspondent les unes et les autres. Et un tel agenda pourrait servir d'outil de rencontre, d'outil de connaissance. Alors on a commencé comme ça, et assez rapidement l'idée est venue d'y associer non seulement nos deux communautés, mais également la communauté juive, et puis pourquoi pas les confessions chrétiennes différentes que l'église nous connaissons bien. Réformée, voilà, l'église réformée, orthodoxe et anglicane. Donc six religions.